Bonjour à tous, tout le monde, c'est Angèle et aujourd'hui nous allons faire une vidéo de déballage de colis. Je sais plus combien j'en suis. Je vais regarder ça vite fait. YouTube, j'en suis où? Alors déjà, excusez-moi, je vois un peu le façant, mais voilà quoi. Des balles de colis, je vais chercher dans mes... Allez, je fais des recherches, c'est ma propre chaîne. Je vais mettre les mots, les colis, ça devait aller, hop. Ah oui, c'était le 6, on est dans le 7ème. Voilà, on est donc dans le 7ème. J'ai le 6, 2, 1, 5, ah oui, c'est bon, ils sont tous là, j'ai un peu peur. Voilà, on est dans le 6ème déballage colis. Oh, j'en profite un petit peu vu que c'est juste, ça va pas durer longtemps, c'est juste un petit truc. Peut-être je vous montrerai ce que je me suis dit, on verra ça, un petit bonus à la fin. Je ne l'indiquerai pas dans le titre de la vidéo, je fais ce que je veux, parce que de toute façon je fais ce que je veux sur ma chaîne, on va pas s'embêter. Ah, deux colis que j'ai reçus de chez Ninigame. J'avais plus de nouvelles de leur livraison, c'est maintenant qu'ils me le disent. J'ai l'impression qu'ils m'ont tapé, ils ont envoyé le colis et ils ont dit ça plus tard. Enfin, bon. Heureusement il est arrivé plus tôt quand ils ont été envoyés mon colis, il est arrivé plus tôt ce que je mets, ce qui est indiqué quand on prend la livraison Amazon. Voilà quoi. Il s'agit donc de la... Ça va vite fait. Et peut-être je vous ferai un petit bonus. Il s'agit donc de la manette PS4. De la version Persona 5 de Royal. Qui est sortie au Japon. Excuse-moi sur PS4. J'ai pas dit PS1 avant. Il faut pas... Là. Qui est sortie sur PS4. Dessus. Dans sa boîte. Pas dans une boîte PSK. Mais dans une boîte PlayStation, je trouve ça pâté, j'aime beaucoup cette boîte. C'est pas le logo Persona 5, j'aime beaucoup cette boîte. Je suis content qu'ils l'ont vendue à part parce que la manette me fait grave envie. Il y a une version noire, moi je l'ai pris la version. Il y a aussi une version noire, mais j'aime pas trop, je préfère la blanc. Là j'ai une jolie manette tout à fait en blanc. Voilà quoi. Hop, je vais vous montrer. On va ouvrir, on va voir si... Et je vais peut-être le ranger à sa place. Il s'agit de ce que j'ai commandé, une manette. Je suis content qu'ils l'ont vendu à part. Il y a des manettes qui font. Et ça, je crois qu'il y avait certaines manettes qui sont pas vendues à part de la console. Quoi. Dans sa petite boîte contenée, j'aime beaucoup. Sympathique. Certains iront peut-être en moquer. Qui sait? Peut-être j'aurais pu l'expert. Elle est magnifique cette manette. Que je vous montre. Alors déjà, ce qu'on a, alors derrière, on va commencer par le derrière comme ça. Le meilleur pour la fin, on va mettre. On va commencer par le derrière. Pour l'instant, il n'y a eu que du blanc. Qu'un creux blanc derrière. Pas devant, c'est le pavé tactique. Chose qu'on n'a pas très souvent sur les manettes de personnes dans les deux couleurs. On a le t-shirt, je me rappelle plus le nom du kit de l'équipe qui rejoint l'équipe du héros Persona 5. Voilà, un petit logo blanc. On n'a pas ce genre de creux situation. Les caboutons qui galent les couleurs de la habituelle qui représentent les couleurs de la manette PlayStation. Il y a des manettes, parfois ils le mettent en blanc. Voilà quoi. Les fameux sticks, les deux flèches traditionnelles. Et en bas, et sur les poignets, nous avons... Je sais pas si ça voit bien. Hop. Je sais pas si ça passe pas dans la caméra. Non, je pense que ça devait passer. Il y a une étoile sur la manche, sur sa manche droite de la manette. Des étoiles. Et le logo de Persona 5 avec des étoiles. Voilà quoi. C'est une manette spéciale
C'est maintenant qu'on peut le trouver, soit qu'heureusement il était vendu séparément, on peut l'acheter à part. On peut aussi l'avoir cette manière dans le pack PS4, il y a une PS4 blanc et noir, je crois, si je dis pas de bêtises, de Persona 5. Oui, Persona 5 de Royal. Alors, il vient de sortir en novembre, le jeu, au Japon. Il se pourrait qu'il le sortira chez nous. Je l'espère qu'il sort en français. S'il ne sort pas en français, moi, je suis pas pressé. Parce que on peut risquer de l'avoir son adaptation animée. Ils ont déjà adapté animé le 5. Pourquoi ils feront pas le Royal? Ils ont déjà aussi fait Persona 4 Golden. Même s'ils sont sautés les scènes pour rester sur les scènes avec Marie. Voilà quoi. Et puis voilà, je suis pas pressé, justement parce que je sais si ils vont le ressortir le jeu encore en test English. Mais s'ils font en français, je veux bien le prendre spécialement. Je vais bien le prendre spécialement. Mais voilà, mais ça m'énerve de le prendre. Je suis pas hyper happé par le Persona 5 parce que je m'y attendais, mais je l'ai pris spécialement. L'autre Persona 5, la première version, parce que il y avait. Oh, parce qu'on m'avait trop parlé, je ne me souviens plus si on m'avait trop parlé de ça, ou si j'étais. Ou si j'étais un peu hypé tout, mais j'ai quand même envie de le prendre, donc voilà quoi. Alors que je m'y attendais un petit peu, hein, il y avait bien une adaptation animée de celui-là. Voilà quoi. Manet Blanc de Persona 5 de Royal. Je suis content qu'ils l'ont vendu à part. Là, j'ai pu le prendre. J'avais un peu peur. J'ai failli le payer pour rien, cette manette. Ils n'ont même pas envoyé le colis. Et là, ils l'ont envoyé que cette semaine. Je crois, si je dis pas petit, sous la même semaine dernière, je sais plus. De cette manette-là. Voilà quoi. Qu'est-ce qu'on a pu avoir d'autre? Rien spécial. Il se trouve juste dans un emballage de PlayStation officiel. Mais j'aime beaucoup cette boîte. J'en ai pas eu. Il y a des tests en japonais, sans plus. Et je l'ai précommandé chez Niga. Si vous voulez en avoir une manette, si on en reste encore, bien sûr, il doit en avoir des manettes. J'imagine encore des manettes PS4 du jeu PS5. Je crois peut-être ça, j'ai dû mélanger le 4 et le 5. C'est Persona et la manette. Et PS4. Et PlayStation quoi. Là, je dois en plus la remettre parce que je vais pas la. Je la tisserai que au casse-cou si j'ai envie de changer de couleur quoi. Voilà quoi. Et non, j'ai plus rien d'autre. Manette PS4 par avant une autre manette que je craque. Voilà. C'est tout ce que j'ai craqué pour l'instant en manette PS4 cette année. On va faire un petit. Bon, je vous ajoute un petit bonus. Tant que j'ai. Je vais aussi arriver en même temps que mon colis. Que je vais l'ouvrir. Je vais pas l'ouvrir ici parce qu'il y a mon adresse et je vois des trucs partout. Gratuit. Peut-être parce que j'ai pu le payer, j'aurais dû l'attendre, mais j'avais un peu peur. J'avais un peu peur parce que la commande était retenue par les douanes. Je devais payer, mais je voulais payer et j'ai ma peste et j'ai la manette qui m'a lâché et j'ai ma cabanquette qui veut pas payer le truc. Il me lâche. Au début, je pensais c'était j'ai atteint le plafond. Après, quand j'ai testé, c'est une achat boulangerie. Mais non, c'était non, il m'a lâché complètement. Et j'ai dû demander à mon père au cas où. Ouais, bref. Cas où j'avais un peu peur, j'étais un peu pressé, j'ai peur de pas l'avoir, j'étais un peu blasé, sans voir, je recevais le testo, j'ai peur qu'il annule ma commande, j'ai tiens bien à l'avoir les deux produits. Rose Constellation, douce imprimée. Alors.
clore en même temps. Donc il faudra du paquet. Alors je me suis pris une perruque. Une perruque cheveux bleus. Cheveux bleus et je crois que j'ai vu qu'il y a de la neige, mais je sais pas si on l'aura dans le dans comme dans l'image. Les prix commandés chez Miano ce truc. On va faire test, ça je peux me regarder sur ma caméra. On va faire un test, hop. Oula, y a une petite mèche de cheveux. Hop, je vais me regarder. Je l'ai mal fait, je l'ai mal fait quand le modèle. Mais il est pas gros comme ça la perruque. Mais je vois pas trop bien. Je vois pas trop bien cet écran. Il faut que je me regarde dans un miroir. Il est trop petit l'écran, alors ce miroir c'est plus mieux. Dis-moi ce que vous en pensez. Cette vidéo, je vais la garder cette perruque. Vu qu'il y a, il y a des gens qui me disent que c'est, qui se moque de moi avec la calvitie dessus. Je vais les partager en public. Hop. Et celui-ci, je me suis pris une tenue de Lolita. J'espère que ça va me passer. Je vais pas me la mettre. Hein? Il y a juste. Attends, il n'y a que la jupe. Il y a juste la jupe. Moi, je voulais. Aussi lourd. Je pensais qu'il était accompagné là, le lourd. Alors celui-ci c'est une jupe avec des constellations. Bizarre. Voilà que je parle. Je relis. J'ai peut-être mal eu le produit. Où il est? Je vais le supprimer. Où l'aime la boutique Milano. Le Black Friday. Sauf que j'ai plus assez d'argent moi. Où est mon compte? Alors, juste la jupe bleue Lolita robe constellation, dos imprimé, jupe Lolita avec sa garniture de dentelle noire. Ah, peut-être c'est juste ça. Hein. Je suis déçu, moi je voulais aussi le haut avec. j'ai pris la jupe. Ou alors c'est, je sais pas. C'est une jolie jupe de constellation. Bleu Lolita robe constellation, douce imprimé jupe. Avec sa qualité dentelle noire, peut-être il parle de cette dentelle là. C'est juste la jupe que je cherchais, j'ai pas. C'est du haut, c'était pour le. Bon, parce que la fille va pas me se mettre à poil pour ça. Enfin, ils ont dû mettre une image, tout, mais bon. Bon, on va dire. On va. Je pense qu'on va pas en vouloir à Milano, je pense. C'est écrit jupe bleu Lolita, robe constellation douce, imprimé jupe de dentelle noire. Ça doit être celui-là. Hein. J'espère
que cette vidéo vous aura plu. Je vous dis à tous, matané!